Ah, c'est le Pokémon Psy, genre Mesmerella, un truc comme ça. Et te revoilà. Donc, les ténèbres, c'est fort sur le Psy, je crois. Hein. Je sais jamais. À chaque fois, j'ai peur de me tromper. Yolo. T'as été vite pour faire les courses? C'est sûr que ça va vite quand tu sais ce que tu veux, mais quand même, ça va vite. Le Mélofée qui va prendre cher. Effectivement, il a pris un max. Bien. On raconte qu'il enlève les enfants endormis pendant les nuits étoilées. Ah bah super. Cela lui vaut d'être considéré comme un démon punisseur. Trop bien. On va aller voir le raid là-bas, je suis curieux. Ténèbres normales, ouais non, j'ai la flemme. Oh, ça fait toujours de l'XP à la limite, allez. Enfin, pas de l'XP, mais des bonbons et des conneries comme ça. Des fois des trésors aussi.
Allez, je fais celui-ci et celui-là, et après je vais enfin en ville. Assiepsi! Oh! Ça doit être archéo machin là, archéodong ou je sais plus quoi. La grosse cloche. Voilà. Archéodong. La grosse cloche. Et paf le bouclier. Bon, j'espère qu'il va rentrer dans la boule. Sinon ce serait chiant. Allez, rentre dans la bouboule. Yes, c'est bien. On dit qu'il appelle la pluie. Si on attise sa colère, il se met à gronder en émettant un son lugubre, semblable à celui d'une cloche. Il reste plus que le raid lava et après on va en ville. Oui. Y'a rien à cela. Cette invasion de Smogo. Oh non, pas lui.
Alors attention, si vous avez peur des clowns, ne regardez pas ce combat. Et si vous êtes sur YouTube, skippez de quelques minutes. Parce que je préviens, attention clown. Qu'il est moche, qu'il est moche, qu'il est moche, qu'il est moche. Voilà, nickel. Allez, bye bye. Est-ce que je peux te capturer? Oui, je peux capturer la version mâle, cool. Oh, mais allez! Je m'en fous, j'abandonnerai pas, j'insisterai. Voilà, comme ça j'ai la version mâle aussi.
Alors, est-ce qu'on a des Pokémon qui sont revenus? Ah, déjà, on va faire à la loterie. Très important. Oh. Alors, les missions. Nice. Deux sachets de pain de mie. Très bien. Encore des sachets de pain de mie, mais franchement. Donnez-moi autre chose que du pain de mie. Deux faiblobos là, bah cool. Des soins bowl, pourquoi pas? Un paquet de saucisses. Sauce. Une pierre feu, ça c'est cool. Et la dernière mission, et après on va renvoyer du monde en mission. Je trouve ça sympa, moi, les missions, ça permet d'utiliser les Pokémon qui sont dans les boîtes PC pour les entraîner, pour ça, je trouve ça cool, moi. J'aime bien le principe des missions. Putain, encore du pain de mie! Alors, il faut des Pokémon dragons. 6 max. Je suis pas sûre d'avoir la quantité de Pokémon dragons nécessaire. C'est un dragon, ça? J'en ai plein. C'est tout ce que j'ai. Alors là, il faut des Pokémon férus de cirage. Il faut que ça glisse comme sur la banquise. J'imagine que ce sera des Pokémon de type glace.
des Pokémon feu. 8. Bon bah ça suffira hein. Des Pokémon de type plante. Ensuite, là, des Pokémon de type sol. Et après, ce sera des Pokémon de type normal. Et je laisse les missions de ce type-là de côté. Donc, sol et normal. Voilà. Dans le doute, je resoigne le Pokémon. On passe jamais assez au centre Pokémon. Hop, je mets ça. Voilà. Alors. On a le type de la météo à qui il faut parler. Qui est ici si je me trompe pas. Il peut arriver que la grêle se mette à tomber. Les Pokémon sur le terrain subissent alors des dégâts à chaque tour, sauf ceux de type glace. Elle baisse la puissance des capacités qui absorbent la lumière comme lance-soleil et diminue la quantité de PV recouvrée grâce à des capacités comme synthèse ou aurore. Enfin, la capacité bizarre touche à tous les coups.
le combat de cette ville, le combat café. Voilà. Et voilà. Et donc, normalement, la suite du jeu, c'est par là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle route? Ah oui! Avant de... Attendez, je vais faire une sauvegarde, comme ça, si je perds mon temps, je pourrais recharger directement. Dernier truc que je dois faire. Avant de découvrir cette nouvelle route, il nous faut aller... ici, pour voir si je peux faire un nouveau fossile ou pas. Et si c'est pas le cas, je quitte et je reviens sur la route 7. Ok, donc elle dit rien de plus, donc bon, ça va, ça me prend pas tellement de temps de voyager, je peux retourner là en volant. Donc ça y est, la nouvelle route. Enfin. Je t'ai déjà. Les top modèles, elles sont trop cool. Laissons Azazel un peu briller sur la scène.
Ah, elle aussi a fait pression. Eh oui. J'ai gagné. Encore un carabinge. Je vais pouvoir avoir mon Togepi. Oh zut, je me suis pris le poteau. Coquillou, c'est un surnom de merde. Mais c'est Togepi. Il est trop beau, Togepi. Sa coquille est remplie de joie. On dit que s'il est bien traité, il porte chance. Mais seulement, je vais pas forcément jouer avec parce que là, mon équipe elle est complète. Mais par exemple, dans Bouclier, quand je ferai une partie de 0, Togepi il sera dans ma team, c'est obligé. Je vais en profiter pour me soigner au passage. Non, je vais faire un curry pour me soigner. Allez. Et on va faire du pain de mie, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du pain de mie.
3 étoiles seulement. Je suis déçue. Regardez le bébé. Oups, je voulais pas foncer dans le monsieur. Je voulais pas foncer dans le monsieur, je voulais descendre de ma bicyclette et par réflexe j'ai appuyé sur B pour descendre mais ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Oh, il finit toujours dans un cul-de-sac. Le Viking! C'était déjà... Quatre étoiles, GG. Bon, je vais arrêter là. Hop. Le plus beau curry de la terre. T'as utilisé quoi comme ingrédient? Mais comment ils cherchent trop la merde, les miaous? Ah, je n'ai pas encore le curry en poudre, donc c'est pour ça. Faut que j'attende qu'il y ait un monsieur qui l'ait. Du coup, tu utilises du curry en poudre sur un curry. C'est un peu redondant. Regardez cette bouche qui fait... Je le vois comme ça, moi, avec sa bouche qui fait... Non, je ne rentrerai pas dans la Pokéball. Manier contrôle, c'est quoi? Manipule les champs magnétiques pour augmenter la défense et la défense spéciale des Pokémon alliés doués de talent plus ou de talent moins. Non. Il se recroqueville dans sa carapace en fermant la visière lorsque des ennemis s'approchent. Carabing peut néanmoins en forcer l'entrée.
Et c'était bien mon 200e Pokémon. Ça y est, j'ai atteint les 200 Pokémon. Première fois que l'attaque de ballon elle échoue. C'est la première fois qu'elle échoue. Comment je me fais aggro? Je vais le capturer. J'ai envie. Oh. Non, stop, no bully. No bulimie. Un Solarock.
Merci. Il produit une lumière aussi aveuglante que le soleil quand il se met à tournoyer. Terraclope. Ah bah. Ah bah voilà. Alors, je vais éviter de le brûler parce que je sais pas s'il est sensible aux attaques feu ou pas. Donc je vais essayer de le capturer directement. J'ai dit directement. Ouais, enfin, fais pas trop ça, s'il te plaît. Merci. Son corps est complètement creux, quand il ouvre la bouche, il aspire tout ce qui passe près de lui, à la façon d'un trou noir. Ah bah bien. Un Morpeko! Pas vous. Cool. Je vais retourner sur la route 7 et je vais voir si j'arrive à choper un Morpeko. Il participe à des concours de gonflettes avec ses congénères et les matchhoppers. Le perdant ne se montre plus en public pendant quelques temps. Que faire de la poutre de Ouvrifière? La mettre dans mon sac. Il y avait un Morpeko, j'ai marché sur un Yaous, un Berserkat. Il est trop stylé, Berserkat.
Voilà, le Morpeko. Il a toujours un petit creux, il grignote les graines qu'il a mises dans cette sorte de poche pour produire de l'électricité. Guiriaigle, oui, mais il est un peu trop les high level pour moi, je crois. Peko peko. Un Dunaconda. Vache. Impressionnant. Il peut expulser 100 kg de sable de ses narines en compressant tout son corps. Quand il est à court de sable, il a tendance à se dérober. Angela Dunaconda.
Quand les Pokémon ne sont pas en forme, je m'inquiète. Des formations professionnelles. Ah bah dis. Je vais aller voir ce qu'il y a par là-bas. Un panneau! Donc il y aura une Pokéball cachée là-bas. Moi je dis, il va bientôt falloir faire du curry, et si possible un curry 4 étoiles pour regagner toutes ces PP et PV. Avec un gros poireau. Ah, là c'est un 4 étoiles. Parfait. Alors, je fais une petite pause, je reviens, je vais me dégourdir un petit peu les jambes et aller me chercher à boire, donc faites de même, allez vous chercher un goûter si vous avez, je reviens, à tout de suite.